Inscrit 51. Abstention 11. Blanc ou nul 4. Suffrage exprimé 36. Ont obtenu la liste Giudicelli 12 voix. La liste Simeoni 24 voix. Gilles Simeoni est donc proclamé élu président du Conseil exécutif. Les applaudissements à l'instant pour féliciter l'élection de Gilles Simeoni à l'instant à la présidence du Conseil exécutif. La priorité au direct donc. Pardon si nous avons été obligés de couper naturellement le début de ce Corsicaser, mais si vous nous rejoignez, nous sommes donc en direct de l'Assemblée de Corse pour cette élection historique des nationalistes qui prennent donc les responsabilités. Après Jean-Guy Dallamogne en début d'après-midi, vous le voyez, Gilles Simeoni, félicité, applaudi, acclamé par les conseillers territoriaux, mais également par de nombreuses personnes, un public très nombreux, ici même, à l'intérieur de l'hémicycle, mais aussi, vous le verrez dans un instant avec vous, Geneviève, à l'extérieur de l'Assemblée de Corse, où cette session était retransmise sur des écrans géants. On a vu il y a un instant l'accolade entre Gilles Simeoni et Jean-Guy Dallamogne, qui lui-même avait été élu en début d'après-midi président de l'Assemblée. Et donc maintenant, nous allons suivre le début du discours du nouveau président du Conseil exécutif. Les 8 autres membres de ce conseil le rejoignent pour aller s'installer et prendre place. J'envitus une très longue acclamation. Oui, une très longue acclamation et beaucoup de cris et de vivas dans l'hémicycle. Gilles Simeoni est venu saluer Paul Jacob, ou Paul Jacob est venu le féliciter. Il va maintenant, il continue le salut à tous les membres de son groupe et aux autres élus de l'Assemblée de Corse également, avant d'aller rejoindre les bancs de l'exécutif pour une première allocution. Alors pour celles et ceux qui étaient avec nous depuis le début de l'après-midi, on l'a souvent dit, cette session, Jean Vitus, s'est déroulé, c'en est encore un signe, dans un climat d'apaisement total entre chacun des groupes. Vous venez de le dire, Gilles Simeoni, félicité par le président du conseil exécutif sortant, Paul Jacob, Gilles Simeoni qui est allé voir les conseillers des autres groupes, en particulier à gauche, avec Maria Giudicelli, José Tristerucci. Du conseil exécutif, Camille de Rocazer également. Les gens se congratulent. Tout cela se passe dans une très bonne ambiance.